Mesdames, messieurs, bonsoir. Le Tourchâteau, ce soir, reçoit comme première invitée une voisine de palier au Centre communautaire Agnès Desrosiers. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice du groupe, groupe d'entraide Cancer et Vie, Mélissa Gagné. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Quand je dis la voisine, tu as juste eu à traverser le corridor pour venir nous rencontrer. Nous, on sait c'est quoi cet organisme-là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mais j'aimerais ça que tu nous rappelles qu'est-ce que vous avez comme mission. Quand on parle de cancer et vie, on a une petite idée, mais j'aimerais ça que tu m'élabores un peu la mission de votre organisme. Notre mission, nous, c'est vraiment de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches en leur offrant différents activités et services pour améliorer leur qualité de vie. Donc, nous, on travaille avec des gens qui ont la maladie, mais on travaille avec la vie parce que les gens se battent, en quelque sorte, pour leur vie, pour être en santé. Donc, en gros, là, c'est ce que vous avez. Et pour ça, vous offrez quel genre de service? Le premier service qu'on offre, c'est celui d'accompagnement. Nous, on est seulement 2 employés, mais par contre, on a une quarantaine de bénévoles qui sont disponibles pour accompagner les personnes atteintes de cancer et les proches, que ce soit pour aller leur rendre des visites à la maison, pour échanger, pour les écouter, pour sortir, prendre un café, leur changer les idées. Puis nos bénévoles peuvent aussi aller à l'hôpital avec la personne malade, à ses rendez-vous médicaux, l'accompagner pendant tout le long de ses traitements, pour ses rendez-vous avec l'oncologue et ces choses-là. Ah, bon, bon. Donc, c'est vraiment un service très important qu'on offre. Et en plus de nos bénévoles, bien nous, on est présents du mardi au vendredi directement au département de chimiothérapie de l'hôpital à Tête-Feuille. Donc, les gens qui sont là ont toujours une référence de notre organisme. On peut leur en parler. Si on voit qu'ils ont des besoins, on est sur place. On peut alors leur offrir différents services qu'on offre à Cancer et Vie. Donc, vous travaillez en collaboration avec l'hôpital? Là. Oui, tout à fait, puisqu'on est présent toute la semaine. Oui. Il y a toujours quelqu'un, tu dis, du mardi au vendredi? Oui, du mardi au vendredi, en avant-midi seulement. Donc, on est vraiment au bon endroit pour rencontrer notre clientèle. Ben oui, hein, quand on parle de chimiothérapie, c'est toujours relié, malheureusement, ou presque toujours relié au cancer. Oui, c'est ça. Quand je dis malheureusement, mais heureusement, parce que ça permet à certains de s'en sortir. Mm-hmm, puis vous travaillez pour ça. Oui, c'est ça. Cancer et vie, comme tu as bien dit. Exactement, oui. Puis un autre service qu'on offre, c'est celui de rencontre de suivi individuel. C'est ma collègue Marc-Claude Bernard qui est intervenante, qui offre la possibilité aux gens de la rencontrer de façon individuelle pour simplement se confier, parler, échanger. Il y en a pour qui parler en groupe. C'est une autre activité qu'on offre que je parlerai plus loin. Sont moins à l'aise et tout ça. Donc, Marc-Claude peut prendre rendez-vous avec les gens puis les rencontrer en individuel puis cheminer avec eux. Donc, ça, c'est nouveau, puis les gens apprécient beaucoup ce service-là. Oui, vous avez des rencontres de groupe aussi, parce que nous, comme, ici au Centre Marie-Agnès-Desrosiers, parce que vous logez au Centre Marie-Agnès-Desrosiers, oui. Vous êtes les voisins de la télévision communautaire, et des fois, on voit des gens qui sont assis à l'entour de la table, un café, des petits biscuits, tout et vous fait. Avez toujours du sucre à la crème extraordinaire. Entre autres, ça l'arrive, hein? Oui. Oui, hein? Ce que vous parlez, en fait, c'est nos cafés rencontres qu'on appelle, bon. Au groupe de soutien. C'est une rencontre par mois pour les gens. C'est toujours le lundi en avant-midi. Et puis, ce sont des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer, puis leurs proches sont invités aussi. Là, c'est vraiment sous une formule de groupe. C'est une dizaine de personnes autour d'une table qui peuvent échanger entre eux de ce qu'ils vivent. Puis c'est Marie-Claude, ma collègue, qui est présente pour diriger les conversations animées, apporter des outils aux gens. Puis c'est une bonne façon pour les gens de s'échanger des trucs, des façons de faire pour leur redonner espoir. Donc, c'est vraiment une formule aussi qui fonctionne bien. Bon. Comme service aussi, est-ce que vous avez d'autres point là, intéressant, important à mentionner? Rapidement, je peux peut-être dire aussi qu'on offre le prêt de prothèses capillaires parce que suite au traitement de chimiothérapie, les gens peuvent perdre leurs cheveux. Donc, on a un bon choix de prothèses capillaires, foulards, bonnets, puis c'est un service tout à fait gratuit en étant membre, par contre, de notre organisme. Et puis, on a aussi beaucoup de documentation, de livres que les gens peuvent nous emprunter aussi. OK.
On a parlé des services que vous offrez, là. Au niveau des activités, moi, je viens de te parler, là, de ce que je vois, là, quand les gens s'installent alentour de la table pour jaser, là. Ça fait... Mais vous avez d'autres activités aussi, là. Je pense que vous en avez... On en a beaucoup. En fait, c'est toujours selon les besoins des gens. Et puis, dans le fond, derrière chaque activité, le but, nous autres, c'est de briser l'isolement des gens pour pas qu'ils restent seuls avec leur maladie. Puis ça leur permet en même temps de se créer un réseau social, des gens sur qui ils peuvent compter. Le genre d'activité qu'on offre, par exemple, il y a le faux vitrail, qui est une activité créatrice. Ça permet aux gens d'exprimer leurs émotions à travers leur réalisation. On a des activités comme de l'informatique, des rallye-maisons. On a même des ateliers de croissance personnelle qui sont donnés par Marie-Claude, des thématiques qui sont abordées à chaque mois, toujours dans le but de cheminer. Et puis récemment aussi, on a mis sur place des conférences thématiques mensuelles. Donc, à tous les mois, chaque dernier lundi de chaque mois, on a un invité, puis les gens sont invités à venir le rencontrer. C'est toujours gratuit sur différents sujets qui Qui peuvent les touche aider. là. Oui, ça peut être des organismes qu'on présente aux gens, puis qui ne sont pas au courant que ça existe, puis c'est bon pour eux de les connaître. Puis, ou sinon, ça peut être un thème en particulier qui est abordé, là. OK. Et ça, une fois par mois, Oui, le dernier lundi du mois. exactement. OK. Et puis, on a mis sur pied aussi récemment un après-midi cinéma par mois, dans le but de divertir les gens, les faire sortir. Puis, c'est toujours des films positifs, inspirants qu'on leur présente. OK. Alors, si je comprends bien, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est toujours pour essayer de briser l'isolement. Tout à fait. C'est Parce que comme... quelqu'un qui est atteint de cette, excuse l'expression, cette maudite maladie, là, peut-être qu'on a tendance à vouloir se replier sur soi-même, puis c'est peut-être une erreur, Ouais, si je je crois pas comprends que ce soit la bien. meilleure solution. OK. Justement, les gens, lorsqu'ils sortent, qui rencontrent des gens, qui changent les idées, mais ça se passe mieux pour eux dans ce temps-là. OK. Vous avez comme activité, est-ce que tu as fait pas mal le Oui, tour? pas mal. Mais si on parle d'activité, parce que tu es ici principalement pour ça, là, bien sûr, on parle du groupe d'entraide, mais vous avez une activité de financement. Puis c'est dimanche prochain, Oui, hein, le 12, là. exactement. Alors, parle-nous-en de cette activité-là. Dimanche prochain, le 12 mars, on va tenir un brunch bénéfice en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Thetford. C'est la 4e édition cette année. Et puis, on invite les gens à y participer. C'est de 9 h à midi au Centre Émilienne Gourde à Thetford, 95 9e rue Nord. Les billets sont au coût de 10 $. Les gens peuvent se les procurer à l'entrée. Oh mon Dieu, 10 $ pour un brunch. Oui. Donc, une partie des profits nous sont remis. Donc, on compte sur les gens pour être présents dimanche prochain. C'est dimanche prochain, là. Oui. Mais il n'y a pas de billets en prévente, là. Oui, il y en Oui, il y en a, a. mais c'est le même prix, là. OK. Oui. Alors, si les gens qui nous écoutent, là, puis s'ils sont au début de la semaine, là, ils pourraient se procurer des billets à quel endroit? À nos Ici, à locaux, vos oui, locaux? directement au centre communautaire. Alors, c'est quel numéro de local, vous autres, ici? Nous, c'est le 106. Le 106. Au 37 rue Notre-Dame-Ouest. Oui, ça, au centre communautaire Marie-Agnès de Rosiers, en avant de Exactement. l'église, Oui. Saint-Alphonse, il y en a qui ne savent pas. Et quand tu me parles que le brunch va avoir lieu au centre Émilienne Gourde, à Thetford Mines, c'est sur la 9e, en arrière, si on veut, de l'ancienne église Saint-Noël, Oui. ça s'est déjà appelé, mais toi, tu es trop jeune pour t'en souvenir, ça s'appelait le Chalet des Sports. Ah, d'accord. Alors, les gens de mon âge, là, ils vont être en mesure de savoir encore mieux, parce qu'il y avait des quilles en bas, puis il y a une grande salle en haut, puis il y a même déjà eu du patin à roulettes, là, dans la grande salle où vous allez faire le brunch, OK. certain. Vous attendez à peu près combien de personnes? Nous, on vise 200 personnes. 200 personnes. L'année passée, il me semble qu'on l'a atteint même un petit peu plus. Donc, on souhaite que ça se continue encore cette année. OK. Donc, il y a des billets qui sont en vente ici au local, Oui, 106, oui. ou à la porte là-bas. Exactement. OK. Vous autres, là, quand on parle d'activité de financement, est-ce que vous êtes subventionné par un organisme provincial? Est-ce que vous dépendez d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental? Oui, nous, on a une subvention récurrente à chaque année du Centre intégré de santé et services sociaux.
Ah bon, de OK. Chaudière-Appalaches, mais ça représente environ 50 % de nos revenus. Et voilà. Donc, l'autre partie, on doit aller la chercher avec des activités de financement, dons et autres. OK. Alors là, ça explique qu'on parle du brunch. Oui. Mais vous avez d'autres choses au mois de mars là, qui s'en vient. Là. J'ai pris en note le 24, 25, 26 oui. mars. Alors, c'est quoi? En fait, c'est une collecte de fonds intensive, nous, qu'on appelle. Ça fait déjà quelques années qu'on le fait. Pendant ces mêmes journées, on est présent à différents commerces à Tête-Feuille, dont le IGA Saint-Pierre, le Maxi et le Jean Coutu sur le boulevard Frontenac. Donc, pendant toute la journée, on a des bénévoles présents qui tiennent un petit kiosque d'information si les gens ont des questions sur notre ressource. Et puis aussi, on peut récolter les dons cette journée-là. Les gens, ils peuvent encourager la cause aussi en nous remettant leurs dons. Ah bon, OK. Et c'est de cette façon-là, avec le brunch et d'autres activités, que vous allez chercher le 50 % qui vous manque. Oui, tout à fait. Ce ne sont que les premières activités de l'année, parce qu'on en a plusieurs, je vous dirais, d'ici la fin de 2017. Là. Bon, ben, je veux dire, à l'automne prochain, on pourra toujours en parler. Oui, oui. T'es pas loin, toi, là. T'es notre voisine de palier, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous avez aussi une autre activité ce printemps-là? Je peux peut-être parler d'une dernière activité qui s'en vient quand même, elle aussi. Ce sera la tenue d'un souper bénéfice à East Broughton, à la salle des Chevaliers de Colomb. Pour une deuxième année, c'est bien d'aller dans un autre endroit parce qu'on couvre toute la MRC des Appalaches. Donc, c'est bien d'avoir des activités à Tête-Feuille, mais aussi à l'extérieur pour faire connaître davantage nos services et tout ça. Donc, le 22 avril, on sera présent à East Broughton pour un souper. Ça, c'est au coût de 20 $. Ah bon, OK. Mm. Vous avez, les Chevaliers de Colomb, ils ont l'air d'être présents pas mal oui, avec beaucoup. Vous autres, hein? Oui, ils nous aident beaucoup. C'est très apprécié d'ailleurs. Là. Mm. Bon. Tommy vient de me faire signe qu'il y reste seulement une minute, Mélissa. Oui. J'aimerais ça, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui voudraient en savoir plus. Tu as sûrement un numéro de téléphone, peut-être un site Internet. Est-ce que tu peux nous donner ça? Le numéro de téléphone, 88... Oui, 335-5355. Donc, les gens peuvent... 335-5355. Oui, donc les gens peuvent nous appeler. On est présent du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Sinon, c'est toujours possible de nous laisser un message sur notre boîte vocale. Oui. Ou par courriel, on est rejoignable aussi facilement, cancerevie@commercial.gmail.com. OK, alors cancerevie tout ensemble. Oui. @commercial.gmail.com. Oui, c'est ça. Ou ils peuvent venir ici au centre communautaire, oui, vous allez plus les simple. Accueillir. Oui. Oui, tout à fait. Ils peuvent se déplacer, venir nous voir. On va être heureux de les rencontrer. Merci beaucoup, Mélissa. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais une éducatrice spécialisée, Marie-Michèle Tardy, mais là, ne reculant devant rien, la télévision communautaire a décidé de prendre des grands moyens et de faire venir sa directrice. Je veux parler de Shirley-Anne Sheridan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. La semaine dernière, avec Marie-Michèle, on a élaboré les grands thèmes, les grandes lignes de qu'est-ce que c'était un Carrefour Jeunesse Emploi. Mmh. On s'est attardé un peu vers la fin sur la Joujoutèque, qui est même ici, au centre communautaire. Mais avec toi, j'aimerais ça qu'on aborde là un point. Quels sont les enjeux de l'employabilité? Employabilité. Qu'est-ce qu'un Carrefour Jeunesse Emploi? Bon, vous autres, là, j'ai bien retenu ma leçon de la semaine dernière, c'est de vous attarder sur une clientèle 16-35 à peu près. Oui, alors, c'est exact. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur les nouveaux enjeux là, qui se présentent là, dans la société actuelle? Eh bien, vous savez d'abord, hein, c'est environ 1 million de postes qui sera à pourvoir entre 2015 et 2024. Donc, c'est beaucoup de postes à pourvoir. Ah oui, un million? Un million. Donc, on peut s'en réjouir. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Également, le sommet Davos, un sommet qui est un forum économique mondial, en oui, fait, oui, qui oui, se réunit oui. dans la petite ville de Davos, en Suisse.
Donc, chaque année, pas ce janvier-ci, mais l'autre d'avant. Donc, janvier 2016, se sont réunis, puis ont sorti une statistique quand même assez intéressante qui disait que 64 % des élèves à l'école primaire pratiqueraient un métier qui n'existe pas encore. Donc, ça aussi, oui, hein, c'est quand même très frappant. Et puis, on peut se réjouir de toutes ces belles avancées technologiques-là, puis ça nous démontre aussi à quel point ça va vite, ça va vite. Donc, deux bonnes nouvelles qui, cependant, nous amènent à des enjeux importants. Des enjeux importants, on a en fait l'enjeu des qualifications. Hein? Il faut se qualifier, il faut se prémunir, il faut se former pour être capable de pourvoir ces postes-là. Et puis aussi, le moins de monde. Hein? Le fait qu'on soit moins de gens, moins de monde pour répondre à toute cette demande-là est également un enjeu quand même de taille. Donc, tout le Québec connaît une décroissance démographique. Hein? Ce n'est pas une surprise. Elle est importante, puis ça se fait ressentir aussi dans la région de plus en plus. Et notre région des Appalaches n'y échappe pas. Oui, mais quand on parle de décroissance, là, on vient de les statistiques à la fin du mois. Au début du mois de février, on nous a dit qu'au Québec, on avait augmenté notre population de 3 %, notamment en raison de l'immigration. Alors... Oui, alors en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que plusieurs entreprises, plusieurs acteurs de la communauté et plusieurs organismes se liguent pour faire face à ces enjeux-là. Oui. Parce que c'est des enjeux qui ne visent pas seulement les CJE comme tels, les Carrefour Jeunesse Emploi, mais qui concernent l'ensemble des Québécoises et Québécois, l'ensemble des citoyens. Puis bien, nous ici, on veut le faire pour notre communauté en région. Mais tu as bien raison. Dans la région, rappelons-nous, à un moment donné, il y a le projet de la ville de Thetford puis de l'ensemble de la MRC qui veut atteindre 50 000, puis on ne l'a pas encore, là, pour ramener du monde dans la région. Donc, quand on parle d'une décroissance démographique au niveau régional, on la vit. Oui, on la vit, effectivement. Puis c'est pas nécessairement juste parce que les gens quittent, hein. Tu sais, c'est les baby-boomers qui quittent le marché du travail. Il y a eu un peu moins de bébés dans les dernières années. Là, on a eu un boom grâce à quelques régimes. Les gens sont plus heureux, font plus d'enfants. Oui, oui, oui. Mais il en demeure pas moins que c'est quand même 1 million de postes à pourvoir d'ici 2024 disponibles. Ça 1 million d'ici 2024. Alors, quand on dit moins de monde, hein, on dit aussi moins de sous disponibles. Hein, moins de sous disponibles pour donner des services qui pourraient peut-être éventuellement faire en sorte qu'on est moins solidaires tous ensemble. Donc, il faut être créatif, trouver des solutions. Oui. Puis, il faut le faire en collaboration avec le milieu. Puis le CJE a fait de sa priorité sa jeunesse, hein, sa jeunesse et le développement de son employabilité pour contrer puis faire face à ces obstacles-là ou ces enjeux qui se dessinent à l'horizon. Vous avez combien à peu près de jeunes qui recourent à vos services annuellement? Annuellement, on intervient auprès de 400 jeunes. Ah, c'est beaucoup, ça? Oui, quand même, auprès de 400 jeunes. Pour moi, c'est une belle nouvelle. Bien sûr. Parce que vous êtes un service pour eux autres. Alors, s'ils s'en servent, tant mieux. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on est connu, mais on est connu. On ne connaît pas l'ensemble des activités du Carrefour Jeunesse Emploi. Vous savez, les CJE, on est un réseau. On est 110 CJE au Québec. Et puis, annuellement, moi, je bénéficie de 4 rencontres avec les membres. Donc, l'ensemble des CJE se réunissent pour partager les meilleures pratiques, échanger. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fonctionne avec les jeunes? Parce qu'il faut aussi, nous, s'adapter, savoir comment les rejoindre, s'adapter aux médias sociaux, s'adapter à toutes sortes de choses pour être capable de les recruter, se faire connaître, puis leur offrir ces services-là. Et puis, c'est une bonne nouvelle qu'on soit connu ici pour 400 jeunes dans la région. Toutes sortes de besoins en émanent de ça. Donc, on parle d'être accompagné dans leur recherche d'emploi ou dans une démarche en orientation, hein, pour explorer leurs options, encourager à la persévérance scolaire, aider les jeunes à identifier des habiletés en entrepreneuriat, en réalisant des projets concrets, promouvoir, favoriser l'engagement social avec des projets de volontariat, des projets de bénévolat aussi, qui s'en viennent. Donc, l'implication du milieu, dans le milieu. Oui, puis aussi ce qu'on appelle le programme Place aux jeunes, qui est de favoriser puis de promouvoir, dans le fond, les jeunes diplômés dans la région. Donc, la migration, l'établissement ou le maintien des jeunes diplômés dans notre région, dans notre MRC. Puis d'ailleurs, Place aux jeunes est un programme qui existe
ça fait quand même presque 20 ans, presque autant de temps finalement que le CJE, parce que cette année, on souligne notre 20e anniversaire. Ah, ça fait 20 ans que le CJE existe. 2017, ça fait 20 ans effectivement que le CJE existe, donc on est très, très content de ça, avec une moyenne de 400 jeunes par année. Donc oui, on en a vu des jeunes, on en voit encore, puis on espère encore pouvoir les accompagner longuement dans le périple du parcours de la vie. Mais là, si tu me dis 400, là, ça vient démontrer sans équivoque la nécessité de l'organisme. Oui, oui, tout à fait. Et si je comprends bien, vous vous adaptez toujours au courant, parce qu'un jeune de 20 ans d'aujourd'hui n'est pas le même jeune de 20 ans il y a 20 ans. Non. Parce qu'il y a eu une évolution. Vous autres, vous suivez ça. Oui. Et c'est un peu dans ce sens-là que quand tu t'es posé la question, c'est quoi les enjeux, là, vous autres, pour vous autres, là, les défis? Les défis, c'est sûr, c'est de toujours s'adapter. Hein. Ouais. C'est bon, l'introduction d'Internet, bon, certains vivent l'intimidation. Bon, là, il faut s'adapter aussi au niveau du marché du travail, bon, au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de la simulation d'entrevue. L'enjeu Internet est venu impacter aussi les méthodes, les techniques, comment on s'y prépare, comment on fait notre recherche. Donc, tout ça vient faire en sorte que nous, on crée des outils. On est toujours à l'affût, on baigne dedans. Donc, on fait des ateliers thématiques, on fait découvrir des métiers. Mais il n'en demeure pas moins que la grande question, elle, n'évolue pas. C'est sensiblement toujours la même, mais c'est les moyens utilisés puis les moyens d'y faire face qui changent. Hein, parce que vous savez, dans le fond, tout le monde veut réussir sa vie. Tout le monde veut réussir sa vie. Puis, malheureusement, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et puis, en dépit de ça, comment je pourrais dire ça? Bon, pour réussir sa vie, il faut d'abord définir. Il faut d'abord définir c'est quoi réussir cette vie-là. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est quoi? Comment on la définit? Puis ensuite, il faut apprendre à s'y consacrer. Puis entre les deux, il se passe la vie, il se passe toutes sortes de choses. Donc parfois, c'est un environnement naturel qui ne nous permet pas d'obtenir des ancrages suffisamment solides pour faire face aux obstacles de la vie. D'autres fois, ce n'est pas nécessairement l'environnement, mais il n'y a personne qui est à l'abri de subir un parcours, de faire deux, trois pas de côté, comme je pourrais dire. Là. Ça peut être la naissance ou l'arrivée d'un enfant qui n'était pas planifié. Ça peut être aider un proche dans sa maladie qui demande toute notre attention, qui demande à ce qu'on mette certains projets de côté ou à ce qu'on les réduise. Ça peut être son propre rétablissement personnel aussi. Donc, cette question-là, ces enjeux-là, hein, ça demeure. Les jeunes se questionnent. Et puis, nous, on est là pour les accompagner, miser sur leurs forces et puis faire en sorte qu'ils se découvrent des projets, les encourager à ce que ce soit maintenu puis que ce soit des succès vécus. Ben, Marie-Michel me parlait justement qu'elle est, comme éducatrice spécialisée, attitrée là, à un programme qui s'appelle Départ à neuf. Donc, ça vient rejoindre un peu ce que tu viens de dire, là. Absolument. D'une façon concrète. À un moment donné, un jeune qui se cherche ou qui veut se relancer, ben il fait un départ à neuf. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça va venir aider et supporter. Hein. Parfois, c'est juste un peu une motivation, le fait qu'on soit regardé, le fait que quelqu'un soit heureux de nous voir réussir. Ça peut donner toute qu'une volonté de réussir, puis ça peut venir faire aussi la différence. Donc, oui. Il y a toutes sortes de projets qui sont organisés autour de ça. Puis ça peut être des activités de sport, ça peut être des activités de groupe. Donc, on revoit aussi, puis ils vont rencontrer des jeunes qui, comme eux, se questionnent, se posent des questions, ont des vécus, des expériences à partager, puis ils vont les vivre ensemble. S'accrocher pour se réintégrer, réinsérer ou réadapter selon les défis. Oui. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des organismes du secteur académique, là, que ce soit la commission scolaire ou encore le collège, le cégep ici? Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, des jeunes qui se cherchent des fois, ils ont besoin d'un coup de main, ne serait-ce que pour éviter le décrochage? Tout à fait. Donc, on travaille en collaboration avec le milieu. Les gens savent, tu sais, c'est quoi notre mission, comment on intervient aussi. Puis chacun respecte son rôle, puis les gens connaissent le CJE. Donc, on travaille en collaboration, bien sûr, avec la commission scolaire, mais aussi avec les directions d'école, puis avec les intervenants des écoles.
tous de la région. On a un point de service aussi à Disraeli, donc on peut se déplacer, rencontrer des gens. Notre local est adjacent à l'école Marius Ouellet. On fait affaire aussi avec d'autres organismes de la région où est-ce qu'on s'appuie pour venir nous couvrir l'employabilité. Puis dans d'autres cas, bien, c'est des services un petit peu plus spécialisés. Certains jeunes ont des besoins un peu plus spécifiques auxquels nous ne pouvons malheureusement pas répondre. Mais vous pouvez les orienter. Mais on peut les orienter, travailler en collaboration. Puis c'est ce qui fait le beau bonheur de nos jeunes. Bien, merci beaucoup. Malheureusement, le temps d'émission est déjà écoulé. Oui. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Shirley-Anne Sheridan, la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.